La distanciation. On a dit ça quoi les gars? Oh merde! Pardon. 18 ans, on s'est Je ne sais pas dans la 4. Je ne sais pas dans la 4.
S'il vous plaît. On est là pour le chef. Hein. Mmh. Ça, pour la moconte, c'est quoi? Donc, trouble à Wizate. T'as la banane pacificateur. T'as la banane raté, tout soir, on a raté. Donc, papa, la biso. Alors, Totuman qui semble. Bonjour. Bonjour, madame Rachel. Ça va faire plus d'une heure. Oui, tout à que fait. Vous êtes là. Est-ce qu'il fallait vraiment mobiliser, accompagner votre président national? En fait, madame, je vais même vous rappeler qu'il n'y a pas eu de mobilisation. C'est un regroupement spontané. Le président a même appelé à la démobilisation, mais vous comprenez que si le parti avait sincèrement mobilisé, nous ne serions pas à quelques milliers de personnes ici, nous serions à des millions. Donc vous comprenez qu'il est difficile qu'un leader se déplace sans la moindre personne derrière lui. Vital Kamerhe est un leader complet, national, qui vous avez, et ça ce n'est rien par rapport au fait que les messages de démobilisation de lui-même, le directeur du cabinet, malgré cela, vous comprenez qu'il y a eu cet engouement, mais je crois que ça se passe dans le respect. Nous n'avons pas de problème, lui, c'est un parti de respect. Nous sommes simplement venus accompagner notre leader, et voilà, c'est tout à fait normal d'un côté. Et vous êtes pessimiste sur ces sur la suite du procès? Bon, il faut être de mauvaise foi pour dire que, selon ce que nous connaissons de l'homme, l'Assemblée nationale, pas un seul bruit. Madame, vous êtes d'accord avec moi? Campagne du chef de l'État Joseph Kabila en 2006, aujourd'hui sénateur à vie, pas un seul bruit de détournement. Secrétaire général du PPRD, pas un seul bruit. Ministre de l'Information, comment aujourd'hui nous pouvons penser que l'homme
qui a toujours démontré de son intégrité, de son amour pour ce pays, va se lancer dans ce genre de choses. Mais aujourd'hui, il ne s'agit même pas d'interpréter cela comme ça. Il s'agit de dire qu'on est invité. Il est invité en tant que requérant pour répondre éventuellement à des questions ou apporter des informations que peut-être que les magistrats n'ont pas. Voilà, madame. Est-ce que cela ne touche pas à son honneur en tant que directeur de cabinet du chef de l'État, parce qu'on n'a jamais vu ça? Oui, madame, tout à fait, on n'a jamais vu ça. Mais à la fois, il ne faut pas stigmatiser, il ne faut pas que nous tombions dans la sensation. Une invitation au parquet n'est pas un signe. J'ai entendu des gens aller dans tous les sens. Oh, il faut que le directeur du cabinet démissionne. Mais voilà, il faut être réfléchi, il faut savoir ce qu'on veut. Lorsqu'un directeur du cabinet est invité pour apporter une lumière, mais il amène des dossiers, il échange avec le magistrat. S'il devient chargé, s'il devient coupable, mais en ce cas, on peut parler. Hein. Il ne faut pas qu'on dise une démission n'est pas quelque chose de banal. Okay. Alors, il ne faut pas que les gens confondent. Les gens n'ont pas la mesure de s'être battus pour devenir un acteur politique comme Vital Kamerhe. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, la démission est plutôt liée au fait qu'on est chargé. Il a été, d'une manière claire, chargé que Vital Kamerhe a fait ceci, Vital Kamerhe a fait cela, et il est poursuivi pour tel. Dans ce cas, on peut commencer à parler de démission. Donc il faut que les gens soient réfléchis. Il faut que les gens comprennent la différence de leurs propos. Vital Kamerhe, dans l'exercice de ses fonctions, peut être appelé à éclaircir plusieurs dossiers à travers le Congo. C'est tout à fait normal, parce qu'il est responsable. Okay? Mais ça ne veut pas dire que Vital Kamerhe est culpabilisé, ou il est chargé, ou il est inculpé. Voilà. Donc, madame, il faut bien qu'on fasse cette nuance. Merci, madame. Ça va, madame. Mon encontre. Oui, allô. Oui. Ok, il n'y a pas de problème. Oui, okay, tu peux traverser, non? Vas-y, toi tu peux traverser, mets-toi là-bas, pas de problème. Oui. Bonjour. Ça va bien? Ouais. Et vous? Tout va bien. Comment ça se passe là-bas? Oui, ça va très bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord? Oui, c'est M. Patrick Mazombo. Oui, ça. Président national du CSPVK. Congolais unis pour le soutien des pacificateurs Vital Kamerhe. Alors, comment ça se passe à l'intérieur? Oui, jusque-là, tout se passe dans les bons. Nous savons que... C'est bon. Allons-y. Oui, nous avons la foi qu'il n'y aura pas de problème. C'était juste la justice avait besoin soif de voir le président national de l'INC, le pacificateur Vital Kamerhe, et Dieu a fait grâce pour qu'il les voie aller nous. Vous êtes confiant pour la suite du procès? Pardon? Vous êtes confiant pour la suite du procès? Oui, nous sommes très confiants parce que il a voulu montrer devant la face du monde que c'est l'homme qui respecte la loi et les règlements du pays. Par rapport à tout ce qui lui donnait des fausses accusations en disant qu'il va refuser, il va boycotter cette invitation. Mais aujourd'hui, tout cela qui passait dans les chaînes de télévision pour rencontrer de n'importe quoi, ils sont confondus. Merci beaucoup, madame. Il est où tout de suite? Voilà. Thank you.
respecter un maître. Qui va respecter un maître à cette heure? Ça fait pratiquement une heure qu'il est à l'intérieur. Hein? C'est vrai. Hein? Il vient d'arriver. Quand tu viens d'arriver, moi aussi je suis arrivé il n'y a pas longtemps. Non, 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 c'est une invitation et non une convocation. Chroniqueur de musique et puis membre de la INC, on est cadre de l'INC aussi, initiateur d'une structure comme on a objectif 2023. Vital Kamerhe est le président. 2023, Vital Kamerhe est le président. Voilà. Président, on est le président. INC, tu es le président de la République. Je dis bien que objectif 2023, à la magistrature suprême, Vital Kamerhe est président ou rien. C'est quoi l'isolo? Les lois, il y a invitation à parquet. Mon condina bino est parti à Yé. Depuis mon Congo et Banda. Je ne sais pas si je peux me tromper. Mais apparemment, ils ont la liboso. Peut-être que Salama déjà. Ils ont apparemment été. Ils ont dit que la liboso. Oui. Peut-être que Salama, mais Toyo Kango te bimina. Vital Kamerhe, c'est quelqu'un qui respecte la justice congolaise. C'est quelqu'un qui sait connaître ses droits, qui connaît ses droits. Et tant que justice va bien ici, Zali, convocation, Zali, arrestation, Zali, invitation. L'invitation, mais un homme qui sait respecter les lois de son pays et respecter les institutions. Il lui aussi fait partie, il y a un corps, c'est Sombor Anabiso, et c'est respecter ses droits. Alors ceux qui juste Benguié, il n'a qu'à venir répondre à l'invitation au PCIE. Siko ba Benguié na makambu ya ba lobi ba mbongo, ba tangi tangi ba kombo na ye boy na boy monite ke. Jusqu'à maintenant, raison ba inviter les nanga ino to éviter. Depuis qu'invitation le bosse ça laïque ba Bengi ça qui est ba pesa qui est date ya mabé. L'agitation partout, parce que ça a mis dans l'agitation. Et bien, je dis que comment je comprends que ça va faire une convocation et invitation en bonne et due forme. Et il est venu respecter Mibé Kobakondi. Donc, on dit la loi est dure, mais c'est la loi. Il est venu respecter l'invitation qu'on lui a donnée par le parquet général. Moi, je pense que c'est quelque chose aujourd'hui. Et faire montre que Lelo, ceux qui Vital Kamerhe comme président en 2023, moi je trouve que les amis gestes sont louables, hein. Il faut tout encourager. Hein. Il faut tout se faire que les lots Vital Kamerhe veut prouver que l'alternance est dans ma belle. Vous avez mon condi, ce qui me dit que Bengisio, tu dois venir pour répondre. Et Bengisio pour Batanga Kiyo. Pour Batanga Kiyo. Et Bengisio pas Mbate. Non, en fait. Et puis la Bengisio était que pour le Bakaye, Azali impliqué dans l'ICAM. En fait, Azali vient dans le cabinet chef de l'État. Ce qui est donc le dossier d'Ali, je crois, 100 jours. Ce qui va Bengisio, qu'on s'explique par rapport à l'ICAM au Yayebi. Ah ouais, qu'on s'explique, c'est normal. Et ça, on dit comme ça, on dit que c'est grave. Ce qui est je pense que Vita, quand même, c'est quand même quelqu'un qui est responsable, qui connaît. Ses droits, il y a un mot à respecter, mais bien que justice, je ne tu parles. Pourquoi on a mon que Vital Kamerhe mérite beaucoup de respect et tu viens d'où que tu viens valeur d'où oiseau mérité. Voilà. Ok, merci. Oumande, tu étais là. Oh, mais non, depuis que je suis là. Ah.
distanciation sociale, c'est ça 1 mètre. Mais avec ça, ce corona, ils allaient qui le coûte à ma bien belle, ils sont surtout sur bon, corona, ils allaient en haut, on a été testé. Je vais tester les bisous. On va se faire un peu de sang parce qu'on a un masque. Je vais un masque. Distanciation sociale. Madame Rachel, j'aime te voir toute charmante et belle comme ça. On a ça, moi, il est bien, on est pas belle. Non, c'est bien, t'es bien au bolo, IDPS. T'es IDPS cosmétique, Baptiste. C'est là. Tango, c'est là. Gabal, aumônier. Est-ce au canguier? Est-ce que tant aux yeux, aumônier, à Zana Kat? IDPS cosmétique. Pourquoi on a eu des pèses dans la carte? Au monisico. Mais tant que tu as besoin de faire des pèses, papa. Aux annonces que tu as besoin de faire des pèses cosmétiques. C'est-à-dire quoi, des pèses cosmétiques? Il y a choco. C'est choco aussi. Mais tu dis que tu as confié quand tu as choco. Non, Denis. Bon, évite, on s'assemble. Oh, le bien, non. Évite, en fait, tu as choco. Ah, l'ongo, on a compris. L'ongo, moi, ma bébé. Maxi Claire, Caroline, Zonga la Lobanayo, Maxi Claire, DCB, Caroline, Tchaba Nyosono Lingi, Diprozone, attends Rapide Claire, Rapide Claire, ah il faut Maxi. Nameka Konyoso, Tchaka Kese Lote. Avant je ne comprenais pas ce que tu disais. Ah, mais maintenant tu as compris. Maintenant j'ai compris. Parce que le véritable IDPS fait. Maï! IDPS. Papa n'a pas ça, Maïko. Gabana Moutouma Lobina Tuno, c'est quoi l'idéologie de l'UNC?
abi oyebite okota politique ya loyenge idéologie abi oyebite idéologie UNC ya UNC oyebite est-ce que idéologie ya parti au rôle bango na na public boy ah au monisiko gabana a lobby la tune question idéologie ya FCC izani té muta tunio a lobby ma comparaison té est-ce que au moment où nous sommes lobby répondre que comparer té au web il y a lobby idéologie ya UNC au bango té idéologie à partir de la secrète non. Ça n'a jamais été secrète. En fait, idéologie, ça n'a jamais été quelque chose de secret. Ça n'a jamais. C'est d'ailleurs la première des choses qu'on divulgue, l'idéologie d'un parti politique. Bon, moi, je pense. Hein. Oui. Moi, je pense. Parce que Moutakou Adere n'est pas idéologique. Vous poursuivez quoi? Vous avez la social-démocratie. Tu vois, beaucoup de gens qui ont un commentaire direct. Ne pensez pas que tout le monde a basali pour. Tout le monde a basali pro-caméra. Non, non. Il y a pas toujours besoin même pro caméra pro INC vous avez pas pro même pouvoir dans la gabana yo lukima kambazo tin de ba question il y a ngoa na batine je vais répondre je suis là pour ça emblème à part à même parti aux hommes non tout le monde il y a moi juste merci mai end bangona j'en ai mon cher maman parti cadre parti. Vous êtes direct. Tout le monde y a déjà. Et le père pour sa maille. Hein? Sa maille. On a été ma place, mon camp. Moi, je voudrais aller monter là-bas. C'est pas mon téléphone. Pardon papa. Bon, on a matin. Parce que tu es peut-être un lien de sang qui est un peu gros. La pénition fait que. Là, vous êtes occupé de la paix. On a un petit peu par là. Papi. Papi.